N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne les gars et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comment prendre la capture d'un snap sans créer de notification, ok? Donc je pense que tu connais que lorsque tu prends la capture sur Snapchat, une notification est automatiquement créée. Donc je vais ouvrir Snapchat pour te montrer cela. Donc là maintenant, ce que je vais faire c'est juste ouvrir une discussion, ok? Donc passer par exemple un snap, ok? Et là, tu peux voir, on écrit, vous avez fait un enregistrement de l'écran du chat deux fois, ok? Donc là, si par exemple, je fais un screenshot, ok? Tu vas constater que on l'a écrit là, une notification va s'afficher autant pour moi, ok? Une notification va s'afficher, on va écrire, vous avez fait une capture du chat. Donc, comment faire en sorte que ces notifications-là n'apparaissent pas lorsque vous faites une capture d'écran, ok? Donc, la réponse est simple. Il n'y a pas de moyen pour vous de faire cela, ok? Donc, peu importe ce que vous allez faire, lorsque vous aurez fait un screenshot d'une discussion, cette notification aussi va toujours s'afficher, ok? Donc, Snapchat ne donne pas cette possibilité-là à ses utilisateurs de prendre des captures, des snaps sans créer de notification. Donc, à chaque fois que vous allez faire une capture d'écran, une discussion que vous avez eu avec quelqu'un, cette notification ci va toujours s'afficher car il n'existe aucun moyen pour vous de prendre des captures sans forcément notifier l'autre personne au bout du fil, ok? Donc sachez-le, il n'existe aucun moyen pour vous de prendre des captures des snaps sans notifier l'autre au bout du fil. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne les gars et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.